Hey, bonjour à tous amis, c'est Brazé, votre gamer favori. On se retrouve donc pour la vidéo de la nou nouvelle vidéo de la boutique du jour de Fortnite du 28 janvier 2024, donc avec le retour de la série Marvel, avec la sorcière rouge qui fait son retour, donc avec la sorcière rouge, donc c'est de custom, donc comme vous voyez actuellement à l'écran, sa version Lego et la cape de Vanda qui est son accessoire de dos, donc le tout pour 1500 V-Bucks avec ses deux custom également, l'accessoire de dos, la tenue s'illumine quand vous infligez des dégâts, voilà, donc en plus la tenue réactive pour 1500 V-Bucks. La hache de chaos, donc c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite le retour de la tenue Star-Lord, donc avec Star-Lord, donc quelque chose de bien, quelque chose de mal, ou bien un peu des deux, donc il partit ensemble avec les gardiens de la galaxie saison 8, premier chapitre, donc avec sa version Lego, et son sac de Star-Lord qui sont accessoires de dos. Le tout pour 1500 V-Bucks. Le Milano, c'est son petit planeur, donc pour 1200 V-Bucks. La hache de gardien, c'est sa petite pioche pour 500 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez toujours Raiden, donc pour le pack pour 1800, le personnage, oui, avec donc le personnage Raiden, donc qui fait partie ensemble série légende du gaming, donc c'est à voir avec Solid Snake, donc c'est un de ses personnages, donc voilà. C'est la pioche haute fréquence depuis l'accessoire de dos et quand les deux objets sont équipés, voilà, donc avec ses deux custom, avec son épée haute fréquence qui sont accessoires de dos mais également sa pioche, et pour finir la combinaison de Raiden qui est le petit revêtement d'armes, tout ça pour 1800 V-Bucks, voilà. Ensuite on retourne dans les styles emblématiques, donc avec une note parfaite, donc ça c'est la première emote série icône, donc pour 500 V-Bucks, le signe universel de la perfection, donc saison 1 chapitre 5, donc de cette saison et de ce chapitre pour 500 V-Bucks. Ensuite le retour de Simen, donc avec ses deux custom en tenue rare. Ce sont vos adversaires qui font la grimace, ils partiront ensemble tout doux, doudou, tout doux, saison 1, chapitre 2, avec sa version Lego. Avec la trousse banane qui est son accessoire de dos également rare, avec ses deux custom. Elle n'est pas comestible, donc voilà, tout ça pour 1200 V-Bucks. Star au clé, donc qui est également là aussi, qui fait son entrée dans la boutique cette saison et ce chapitre, donc en tenue rare, avec sa version Lego et son sac ostensible qui sont accessoires de dos atypiques, tout ça pour 1200 V-Bucks. La bâtie bleue, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. L'ascension sociale, c'est notre petite emote série icône pour 500 V-Bucks. Monter l'échelle avec style, voilà. Ensuite, vous avez cœur, c'est une petite emote hippique pour 800 V-Bucks, donc disponible depuis la saison 4 chapitre 1, voilà, pour 800 V-Bucks. Ensuite vous avez le pack Post-Sky, donc avec Post-Sky de guerre et ses trois custom, vous voyez actuellement à l'écran, en tenue rare, et donc avec donc ouais, en tenue rare tout simplement, avec sa version Lego, son Komodo Corail, c'est son accessoire de dos rare. Les poissons frais, c'est sa pioche rare. Et pour finir, le camouflage à bulles, c'est son petit revêtement d'armes rare animé. Donc voilà, tout ça pour 1500 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez post-tag de guerre, donc avec ses trois custom en tenue rare. Voilà, donc il fait partie de son poissonnerie saison 2, chapitre. Saison 1, pardon, chapitre 2, avec ses trois custom, avec sa version Lego et son commando corail qui sont histoire de dos rare pour 1200 V-Bucks. Les poissons frais, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Voilà. Donc pack et hors pack. Ensuite vous avez le retour du pack jamais plus, donc avec Corbeau en tenue légendaire, donc on dit de lui qu'il a le corps vidé, fait partie ensemble jamais plus saison 3 premier chapitre, avec sa version Lego. La cage de fer, c'est son accessoire de dos légendaire. Ensuite vous avez Ravage, donc en tenue légendaire également, elle fait des cercles au-dessus de vos têtes avec sa version Lego. Ses ailes noires, c'est son accessoire de dos légendaire. Le bec de fer, c'est une première pioche rare. Le mauvais augure, c'est leur petit planeur rare. Et pour finir, plume noire, c'est la traînée rare, pardon, c'est leur traînée rare, excusez-moi. Le tout pour 3000 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Corbeau en tenue légendaire avec sa version Lego et sa cage de fer, accessoire de dos légendaire pour 2000 V-Bucks. Ravage en tenue légendaire, donc avec sa version Lego, ses ailes noires, accessoire de dos légendaire et plume noire qui est sa traînée rare pour 2000 V-Bucks également. Le bec de fer, c'est la petite pioche rare pour 800 V-Bucks. Le mauvais augure, c'est leur petit planeur rare pour 800 V-Bucks. Voilà, tout simplement. Pack et orc pack. Ensuite, vous avez le retour de Miss Fruity, donc avec ses trois custom en tenue rare. Voilà. La deuxième custom et la troisième custom. Donc, elle fait partie d'ensemble Belle des Bois, saison 3, chapitre 3. Donc, avec
style réactif, donc je suppose qu'il réagit aux éliminations, avec sa version Lego et framboise qui sont un accessoire de dos rare également avec ses deux custom. Voilà. C'est le boss de votre DOS, donc voilà, tout simplement pour 1200 V-Bucks. Fulgura qui fait son retour en tenue rare, donc la dominatrice de Destiny Depot, fait partie de l'ensemble Hyper, saison 2, chapitre 1, avec sa version Lego, le tout pour 1200 V-Bucks. Hyper, c'est son petit planeur atypique pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Takara en tenue hippique. Elle est introduite dans les secrets de la cour, fait partie de l'ensemble Takara, saison 9, premier chapitre, avec sa version Lego. Et son regard rouge qui est son accessoire de dos hippique, il vous a à l'œil, donc voilà, tout ça pour 1500 V-Bucks. Le Shamisen, c'est sa petite pioche rare, un son destructeur, donc voilà, c'est la petite pioche rare, donc pour 800 V-Bucks, c'est sa petite pioche rare. Soleil Levant, c'est son petit planeur atypique pour 500 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack le poulet géant, donc il fait partie ensemble. Enfin, qui est avec la collab Peter Griffin, donc le poulet géant en hippique, toujours partant pour une nouvelle bagarre, fait ensemble les Griffin, donc voilà. Avec ce poil à frire qui est son accessoire de dos hippique, les pions de poulet, c'est sa pioche rare, et poire de frappe Peter, donc c'est la petite emote rare, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez le poulet géant, donc en tenue hippique, avec sa poil à frire, accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. Le pion de poulet, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Le poire de frappe Peter, donc qui est sa petite emote rare pour 500 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez faites vombrir les moteurs, donc avec le pack diesel, toujours là, présent, avec le châssis diesel rare, avec son double zéro, c'est son sticker rare. Numéro 7, c'est son sticker hippique. Les flammes, sticker typique, donc avec flamme, aile, éclair et rayure, donc c'est ses autres custom, tout ça pour 2500 V-Bucks. Le pack cyclone, donc avec toujours le châssis cyclone en atypique, avec ses stickers typiques Bad Boy, Flamme, Lita 99, Sliver, Rayure et Witu pour 1500 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez une trentaine de comment dirais-je, de sons, donc enfin de titres musicaux, donc qui est pour le Fortnite Festival, donc à 500 V-Bucks, la petite chanson. Qui est parti donc avec le sac, avec le pack The Weeknd, donc d'ailleurs qui est là avec le pack The Weeknd, donc avec Weeknd en tenue série icône avec ses trois custom, avec masqué c'est son emote intégré, le Xio c'est son accessoire de dos, la Xio c'est sa pioche, la Soxio c'est son vêtement d'arme, Rien de tendance c'est sa petite emote, la Grazio sa guitare et le clavier Xio son petit clavier, tout ça pour 3500 V-Bucks. Alors pack, vous avez donc Weeknd combattant en série de tenue série icône avec ses trois custom, avec son emote intégré et accessoire de Oxio pour 1800 V-Bucks, la Grazio sa petite guitare pour 1000 V-Bucks, le Clavizio son petit clavier pour 1000 V-Bucks également, le Rip de Tendance c'est sa petite emote pour 500 V-Bucks, et la Xio c'est sa petite pioche, voilà, pour 500 V-Bucks également. Ensuite vous avez trois instruments pour le Fortnite Festival, donc avec la mélodie Chocomante, donc c'est un petit clavier rare pour 1000 V-Bucks, le Néon Urbain, donc c'est la basse épique pour 1500 V-Bucks, et le Rétro Micro, donc un atypique pour 500 V-Bucks également. Ensuite, vous êtes sur le pack de quête de l'exil du vide, donc pour 9€, qui comprend donc Absence Guerrier du vide en tenue rare avec sa version Lego. Le noyau du vide, c'est son accessoire de dos rare. La ravageuse du vide, c'est sa pioche atypique. Et pour finir, vous avez des quêtes supplémentaires en légendaire pour gagner 1000 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack dignitaire doré pour 17,25€, donc avec Ambroric en tenue hippique, sa version Lego. Les ailes à pointe creuse, c'est un accessoire de dos hippique. La coupeuse immaculée, c'est sa pioche rare. Ensuite, vous avez Calamité flingueuse en tenue hippique, avec sa version Lego, avec son Diablo 20 biscornu, pardon, qui est son accessoire de dos hippique, et la hache flingueuse, qui est sa pioche rare. L'Oriatan en tenue hippique, avec sa version Lego, avec son coffre sous-marin, qui est son accessoire de dos hippique, et la trancheuse harpon, qui est sa pioche rare. Donc, tout ça pour 17,25€. Donc, 3 skins avec leur accessoire de dos et leur pioche, c'est quand même pas mal. Et pour finir, vous avez le pack Sentinelle Rebelle pour 18,49€, donc avec un accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans Sauver le Monde. Terminez la défense du bouclier dans Battle Base 3 pour déverrouiller les quêtes et entamer ce pack de défis, qui comprend donc la tenue d'Ara en épique avec sa version Lego, avec son fourreau d'AGP accessoire de dos rare, et la dague à pied de mercenaire qui est sa pioche rare, donc tout ça pour 18€.
49. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au club Fortnite pour 12 euros par mois depuis le mois de décembre 2022. Vous avez l'ensemble de fidélité au club, donc ça fait déjà 2 ans que ça dure. Avec avantage sur plusieurs mois, des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est délivrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si le jeu passe de combat, il vous rembourse 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Pardon. Et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Silas S en tenue hippique avec sa version Lego. Le sac Serpentin, c'est un accessoire de dos hippique. Et l'écrou de S, c'est sa pioche rare. Donc tout ça pour 12 euros par mois, les amis, si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà, nous avons déjà le terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager. Je vous le répète tous les jours. N'oubliez pas vraiment de regarder la vidéo et de la liker et de mettre un petit commentaire si la petite vidéo vous plaît. Ou ce qui vous plaît dans la boutique de Fortnite, ou ce qui vous plaît pas, n'importe, tous les avis sont... vous avez votre avis, donc j'aimerais bien juste les connaître, donc ce serait super de mettre des commentaires, les amis, et de mettre le petit pouce bleu, ça aide toujours, donc c'est toujours, ça fait du bien, ça aide la chaîne, et ça aide beaucoup de choses, donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire, le partage si possible, franchement, si vous partagez aussi la vidéo et la chaîne, ce serait vraiment extraordinaire sur vos réseaux sociaux, vos amis, à votre famille, ça ferait du bien, ça ferait connaître et grandir la chaîne un peu plus, donc voilà. C'est notre but évidemment, c'est que la chaîne se développe et vous faire plaisir donc tout le temps, voilà. Et n'oubliez pas, pour le soutien, c'est le code qui a enflammé l'été dernier, qui réchauffe ton hiver, c'est le code de l'année 2023 et c'est celui de 2024. C'est le code brasier en majuscule, en minuscule, en boutique de Fortnite, on s'en fout, ça marche quand même, vous foutez fouiller, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, donc je vous souhaite une bonne journée, passez un bon dimanche et nous on se retrouve demain soir, n'oubliez pas, pour notre live. Spécial GTA, donc online, donc spécial activité, donc à 18h comme d'habitude. Et sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas aussi mercredi, il faut du monde. Mercredi, faites passer le mot. Mercredi, il me faut du monde pour qui veut gagner des V-Bucks. Donc, c'est notre nouvelle émission hebdomadaire. Donc, ça s'appelle le Brasier Live. Donc, qui veut gagner des V-Bucks, venez. C'est super. Vous pouvez peut-être remporter des V-Bucks. Donc, en répondant tout simplement à des questions sur l'univers de Fortnite. Donc, sur ce, donc c'est à 18h le mercredi. N'oubliez pas aussi. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Et à demain, bye bye.